C'était une prédiction à faire. Bon, pour ce match, on en sort avec beaucoup de regrets quand même. Parce que le Niambour relevait d'une défaite à domicile. Et il fallait avoir minimum un résultat positif. Bon, je ne m'étais pas placé dans la posture de mon premier match. Je l'ai abordé comme le 12e match du Niambour. J'avais refusé ça. D'autant plus que j'ai eu que 3 séances d'entraînement. Mais l'équipe n'a pas trop changé parce que autant Cheikh Ngirane et son adjoint étaient là. Donc, ce sera peut-être un changement dans la continuité. Donc, j'ai refusé cette posture que c'est mon premier match. Je ne me suis pas mis cette pression. On a joué, on a perdu sur 2 fautes de notre gardien. Bon, ça arrive. Bon, le gardien titulaire est indisponible depuis 2 matchs. C'est Omar Kier qui est assuré. Je disais à Daf que certainement vous connaissez bien le gardien parce que un ancien de Yaraf, vu que ces joueurs essayaient dans toutes les positions. Ils ont eu raison. On ne lui en veut pas quand même parce que c'est une personne que tout le monde en commet. Voilà, on est dessus. Il y a encore 14 matchs à jouer. On va se refaire et profiter du mercato aussi peut-être pour renforcer l'équipe. Et encore travailler davantage. Oui, c'est la première fois qu'aussi le Niambour joue ici. Il venait à Dakar, il jouait sur du synthétique. Et vous avez les autres terrains aussi, en termes de dimension, n'étaient pas les mêmes. Le Diaraf avait plus de repères sur nous. Mais ce gardien, je l'avais averti. Hein. À l'échauffement, j'avais demandé à mon préparateur physique de tenter ces trucs-là. Parce qu'ils ont plus de repères sur nous sur ce terrain. Cette année, le Niambour vient de jouer sur. C'est de l'herbe. Et les dimensions amicales ne sont pas même que Pékin ou autre. Donc forcément, l'état de terrain a joué. Mais je crois que ce sont des erreurs. Bon, ça arrive, on lui pardonne. Bon, c'est tout bénéfice pour moi, hein, parce que j'aurai 2 matchs avant une journée contre le leader à Louba. Bon, là, on aura le temps. On a bien ciblé hein, le problème d'Yann, on le connaît. On est obligé aujourd'hui de convertir Daf sur le côté gauche. On avait un seul latéral gauche. Donc on connaît bien nos points faibles. Et nous comptons, on a ciblé aussi des renforts. Nous comptons bien les renforcer et faire un match retour, un bon championnat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de pression? Oui, c'est une équipe très très difficile. Mais moi, la pression n'a pas d'emprise sur moi. Ils connaissent ça, même les dirigeants connaissent ça. Bon. Mais à Louga, c'est pas facile. Hein. Vous savez que le Niambour, c'est l'équipe le plus consommateur d'entraîneurs depuis l'avènement de la Ligue Pro. Mais moi, j'ai pas de pression. Je suis motivé pour relever ce défi. J'ai pas de pression. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, j'ai dit qu'en tant qu'homme, à son dialogue, j'ai posé une la question. Pression n'a pas d'emprise sur moi. Quelles que soient les équipes. Non, c'est parce que par je suis à ce que vous dites que je suis, le Niambour est le plus grand consommateur d'entraîneurs. Non, c'est ma troisième fois. En 2009, j'étais là. 2013, j'étais là. Je reviens. Donc, on se connaît. Donc, moi, je dis que la pression, Hassane Diallo, demandez à Daf, on me connaît, Hassane Diallo, j'ai pas de pression. Je mesure l'ambition des espérances. Mais je vais travailler dans la sérénité. Je vais travailler dans la sérénité, sans pression. Oui, on apprend encore aujourd'hui. C'est un chantier. Mais la défense, c'est une organisation. Bon, vous avez vu quand on demande des renforts, parce qu'on les a cités en défense. Hein? Donc, on est conscient. Depuis l'avènement de Ngirane, le Niambour mettait beaucoup de buts, mais en prenait aucun. C'est un paradoxe. Alimal ne prenait pas, mais ne marquait pas. Ngirane vient, il marque, il prend. Aujourd'hui, on prend 2 buts. Bon, mais ce ne sont pas des occasions franches. Bien sûr, le Diaraf aussi a eu des occasions franches qui n'ont pas concrétisé. Mais sur ces 2 buts, honnêtement, bon, soit l'état du terrain ou la méforme des gardiens ou faute de main, il y a ça. Mais en deuxième mi-temps, le Diaraf, en premier mi-temps, tactiquement, on était en place. C'était bloqué. Avec le vent amitié, ce n'est pas facile. Il faut s'adapter sur le terrain. Bon, je crois que lorsqu'on reviendra ici, ça se passera autrement. Depuis le début, nous avons joué un match qui est un match qui est un match.
parce que ñun tay ñu ñëwé la jaraaf ñé tay jaraaf dafa perte weekend passé Maroc ñun tamit ñu perte à Louga son première défaite à domicile kon da fay nek ñaari équipe bi nga xamanteni da mën na né tam ñun ñaar ñëpp ñoo yam même objectif ku ci nek ñu ngi fexé no collé wo ci peloton de tête bi ko mais tay ji buñ ñëwé taxon début bi ñëw nañ pour jëma gérer vent bi pour ñeu dem mi-temps 0-0 wala ñu jëm nit ci prendre dougal len ben bit malheureusement ñom ñoñu def lolu par erreur individuelle quoi par biñ ñëw deuxième mi-temps ñëw nañ tamit pour jëma dindi lolu mais après aussi même erreur lañu amat après ñu deuxième bit malgré ça pousser nañ pousser pour jouer pour ñeu 2-2 mais après ben bit lañ mudi marqué mais ñu ngi préparer wat pour jëma pour dernière journée bi ñu ñuy jëma gagner teunga alu ko quoi.